1157, c'est l'année des fondations de la ville. Là, nous avons la place principale qu'on appelle le Parc Calderón, avec les statues d'Abraham Calderón juste au milieu. Abraham Calderón, c'était un militaire. Il avait 18 ans quand il a combattu à côté Bolívar contre les Espagnols pour l'indépendance de Cuenca. C'est pour ça qu'il devient célèbre pour l'histoire de l'Équateur. D'un côté, donc, il y a l'ancienne cathédrale, cathédrale El Sagrario. Et de ce côté, donc, nous avons la nouvelle cathédrale et justement l'Immaculée. Et après, à l'intérieur, on va voir des vitraux qui gardent le style néo-gothique. On va voir d'un autre côté le soleil, d'un autre côté la lune, les étoiles. Même si c'est une cathédrale qui date de 1880, c'est-à-dire déjà à l'époque républicaine, on essaie toujours de garder le syncrétisme important pour nous. Ça fait partie justement de mestissage. Le marbre de la région et le marbre de Carrare. Dans l'entrée, vous voyez le marbre, marbre de la région. Vous voyez par exemple un peu plus fin. À l'intérieur, nous avons le meilleur. La plaque aussi que vous voyez, qui commémore la visite de Jean-Paul II en 1985. Et c'est intéressant de voir autour la place, il y a des beaux bâtiments. Il y a la première université de la ville de Cuenca. Actuellement, c'est la Cour de justice de Cuenca. Le processus donc de fabrication de chapeaux commence ici à Manassini. Il y a des familles qui s'occupent de ramasser en état naturel le palmier. Il faut les découper avec les doigts. C'est le moment donc qu'on va donner la finesse de la fibre pour donner plus tard la finesse du chapeau. Chaque fibre comme ça, il faut encore le découper. C'est ça qui va donner la finesse de chapeau. Et après, il faut rajouter de plus en plus de fibres, présentées comme ça, en fonction de la finesse et la taille du chapeau.
Déjà, la femme qui tisse le chapeau, elle va déterminer, elle va donner la taille de chapeau. Après, plus tard, avec la robe en dos noir, ça va nous aider à serrer, oui, le chapeau, ou à régler le chapeau selon la taille de quelqu'un. Et la tremper le chapeau dans l'eau, ça donne la souplesse à la fille. Le chapeau qu'elle porte, par contre, si vous voyez, la trame, elle est bien serrée. Donc, c'est un chapeau fin. En même temps qu'elle continue à tisser, il va se faire aider par un moule en bois. N'importe quelle sorte de chapeau, chapeau des femmes, chapeau pour mariage, chapeau cowboy, chapeau borsalino, tous les chapeaux qui arrivent le lundi, le mardi dans la fabrique, ils arrivent avec ces formes-là et avec la couleur naturelle de la fille. Tous. Donc c'est ici qu'on va donc donner la forme différente, on va donner finalement la taille et couleur aussi. Chauffer l'eau à 60 degrés, on va rajouter de l'eau oxygénée, on va plonger le chapeau dedans, 12 jours, on va obtenir ça. Vous voyez même au bord, comment la fibre est changée, à l'œil vous pouvez voir. Après donc découvrir avec la colle forte, le chapeau, il faut encore le remettre en forme, la forme finale. Et la forme à travailler aujourd'hui, il faut la chauffer dedans. C'est la forme en plomb. Tout seul, il va mettre en forme 250 chapeaux. Voilà. Là, vous savez, la matrice en plomb, la forme en caoutchouc et le chapeau. Ça devient la réputée, la qualité. Et on fait la même chose, tout ce processus, même avec le chapeau à 3 000 $ ou 6 000 $. Faire connaître toutes les variétés d'orchidées de l'Équateur et préserver, récupérer aussi des variétés d'orchidées endémiques de notre pays. Et on trouve 7 000 différentes variétés d'orchidées qui sont produites. La moitié, ça correspond aux variétés endémiques, premier sanson, et l'autre moitié, ça correspond d'orchidées exotiques, les plantes mères, et puis les plantes sous lesquelles on va extraire, on va récupérer les graines. Ils le gardent comme son trésor, sont toutes les plantes là. Pourquoi? Parce que plus vieilles sont les plantes d'orchidées, ils vont donner meilleure qualité d'orchidées et beaucoup plus de fleurs. On va obtenir tranquillement 4 millions de graines dans une seule capsule. On va récupérer la capsule et on va donc sortir, récupérer chaque graine dans le laboratoire. On va le mettre donc à l'intérieur des bouteilles. Ce sont des bouteilles recyclées et sont fermées de façon hermétique pour éviter donc justement que des maladies ou des champignons, on a créé un microclimat. Dans la bouteille comme ça, on garde la plante pendant un an et demi. La plupart d'orchidées en Équateur sont des plantes épiphytes. Donc il essaie d'imiter, c'est l'écorce, le tronc de certains arbres, mélangé avec la mousse, la noix coco, l'écorce de noix coco, et aussi l'écorce des sapins. Là, il a la pierponce aussi. À partir de 3 ans, il va pousser, donc il va fleurir l'orchidée. L'espèce endémique, donc ça va fleurir une seule fois par an. Et après, donc, les hybrides ils vont fleurir 2 fois par an. La fleur de l'hybride, on peut le garder entre 3 ou 5 mois. Minimum un jour, maximum un mois. C'est pour ça qu'ils font surtout des hybrides. 3 sépales et 2 pétales. C'est pas tous des pétales, hein. Il y a 3 sépales et 2 pétales.